Zivayes, Richie, Sam Filgos, qui m'ont encore? Patenat, Franco Naoyamin, il y a Maiken, qui m'ont encore une bon Dieu. Oh là là, il y en a beaucoup. Attends, je vais chercher une belle liste là. Il y a Shirley Nola, Romuald, Topaz, Topaz avec Joël. ouais, Joël, RTK. Patrick Gann, Roger Wakami qui m'a dit, ben Justin, je sors de la Martinique, comme je serai là. Voilà, c'est comme ça. Ben oui, effectivement, ça ne serait pas. C'est le 21, la fête de la musique, alors on le fait le 21, sans quoi, comme tu l'as dit. Malia, elle sera là. Pierre Déon. Alors j'ai dit Patenat, Franco, Sam Filgros, même s'il m'a répété, Max Vianney, Sildangeros, Anzuna, Nathalie Vincent, Princesse Ursula, qui sera mon invité, je crois que c'est vendredi, hein, qui sera mon invité vendredi. Suzy Reyes, DJ Jules et puis DJ Soso qui seront au contrôle. Fred Carole, Java Crystal, Jean-Michel, Jeanne, je crois. Il me semble que c'est ça. Muriel Music, Richie Isley, Réplique, Rodrigue Sanson, Maiken et puis quelques membres du groupe Équilibre qui seront là. Tout simplement. Alors, je devais mettre la clim. Non, mais écoute, moi c'est Nek. Moi c'est Nek Guinée, non, je suis pas Nek Guinée, mais moi c'est Nek. Nous ça supporte chaleur. Il faut que nous apprenions à supporter chaleur parce que il fait de plus en plus chaud. La température du dehors va augmenter au-delà de 50 degrés. Le soir, nous ne pouvons pas tirer petit chalet à Kinia. Nous ne pouvons pas tirer chalet encore. Oui, effectivement, la fête de la musique, c'est le mercredi 21 juin, tout simplement. Voilà, c'est le 21, c'est pas ni le 22, ni pour moi. Après, c'est pas la fête de la musique, c'est la fête tout simplement. Et puis voilà. Ou même avant, c'est pas pour moi, c'est pas la fête de la musique. On fait de la musique tous les jours, mais. Yo décrété, c'est pas moi qui décrété, c'est le gouvernement qui décrété, le ministère de la Culture qui décrété la fête de la musique, c'est le 21. Bam! C'est qui mon qui fait ça, monsieur? Qui n'a pas de talent pour moi? Je me rappelle pas de son nom. Il a décidé que ça sera comme ça. Et puis voilà. J'acclame mon coin, c'est ça. Hein. Pour ceux et celles qui n'ont pas. Guillaume Le Néron a bien remplacé ces gens-là qui étaient ministres de la Culture. Et puis voilà, et puis ça s'est développé. Tout le monde a fait musique Bocayo, monde a fait musique en Larry, monde a fait musique tout partout. Et c'est comme ça que elle a pris dans tous les musiciens qui étaient très contents. Parce qu'avant, on ne pouvait pas faire musique comme ça. Et puis là, ça s'est. Oui, mais oui, c'est Jacques Lang. LANG, c'est pas Land, c'est Langue. On va s'en côté l'anglais, mais bon. Et c'est ça qui fait que là maintenant, on peut dire que qui a la fête de la musique aussi, qui a annoncé l'été. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Toute bagaille la Kevin chaud. Toutes les. Ah, bon, vous savez. Comme il a fait chaud, Land, j'ai dit, regardez qui ça a écrit. Vous mettez Land, LAND, vous mettez. Voilà. Et vous mettez Land, vous mettez LANGUE. Et c'est LANG. Ouais. Vous pouvez écrire Land en toute qualité sauce. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ça, ce qui fait que. C'en est une chose. Je ne sais pas ce que je vous avais dit en intro aussi, c'est par rapport au coup de gueule. Vraiment, lui, il a son visage. Il a dit, il a cité même les radios, hein, tout simplement. Il a cité des noms. Il a dit ce qui n'allait pas avec les programmateurs, voilà, ceux qui programment la zic dans les radios. Et que s'il se passe ce qui se passe. Du côté de la Martinique, plus précisément, c'est de leur faute. C'est pas Justin qui l'a dit. Eh ben, faut qu'on fasse clavier ou là pas le créole. Non, c'est pas créole. Langue, c'est. Enfin, bref, on a bien compris. Mais aussi, il a valorisé
les soi-disant petites radios qui font le travail. Et tout ça par rapport à nous avons une culture, nous avons ce qu'il faut pour défendre notre patrimoine. Et on m'a toujours critiqué ouvertement. Hein. On m'avait toujours critiqué ouvertement de dire que nous avons une communauté, il faut que nous puissions penser à notre communauté. Si nous ne pensons pas à notre communauté, les choses iront de mal en pis. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas, du coup, vous l'avez vu, du côté de la Guadeloupe, du côté de la Martinique, Guyane aussi. Hein. Voilà, la Réunion aussi, pour ne pas citer les autres îles. De ce qui se passe avec notre jeunesse. Notre jeunesse, je ne dirais pas qu'elle est déjà en perdition, mais pour un oui, pour un regard, maintenant, il y aura tiré fusil, il y aura toujours un mauvais regard. Un mauvais regard, un mot ou quelque chose de... Et voilà, badam, terminé. Prendre la vie aussi facilement. Et... moi, j'attirais l'attention. On m'avait dit, ouais, mais tu dis. Moi, je m'en pas jamais mal parlé personne. Moi, j'ai dit, j'ai attiré l'attention sur les DJ, sur les organisateurs, sur ceux qui font partie de l'organisation. Et nous aussi, nous artistes, à savoir comment nous, on doit, ce que l'on doit faire, ce que l'on doit mettre en avant par rapport à notre communauté. Quand moi, je disais que. De faire attention par rapport au compas, par rapport au zouk, par rapport à notre les sept rythmes du koka, par rapport à notre belle, par rapport à la biguine mazuka. Quand j'attirais l'attention là-dessus, il y avait toujours ceux et celles qui disaient que ouais, ça a mis ses gars à raconter là, ça a mis ses gars à dire là, mais si ceci, cela, etc., etc. Vous savez, moi, je le dis comme je le pense, je n'ai pas la science infuse. C'est des personnes qui vont. Imaginez-vous. Regardez bien. Vous savez, je vais prendre le cas de dimanche. Je vais parler de dimanche. Il y avait combien de manifestations? À Sarcelles, côte à côte, il y avait deux manifestations qui étaient côte à côte. D'accord? La manifestation de l'association Comvo, ça a toujours eu lieu à cette période. Ça a toujours eu lieu à cette période. D'accord? Bon. Il y a une autre manifestation à côté. Il y avait une ou deux manifestations à Colombes, chez Wananter. Il y avait une manifestation dans le 95, je ne sais plus trop dans quelle ville. Il y avait une autre manifestation où Baud Guibert il chantait, c'était du live pop, Nowflow, rien à dire de ce côté-là. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé. La plupart, même ceux qui ont fait le samedi aussi, ont fait chou blanc. La plupart ont fait chou blanc. Pourquoi? Est-ce qu'ils se sont posés? Parce que moi, quand je dis qu'il faut faire une table ronde pour réorganiser ce secteur-là, ça fait des années que je le dis. Ça fait des années que je le répète. Ah, monsieur Gabal est trop. Ah, Justin Gadi bêtise. Ah, Justin ceci. Ah, Justin cela. Tant que vous n'allez pas vous réorganiser, faire une table ronde, à savoir, à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui peut fonctionner? Parce que les hommes d'hier et les femmes d'hier, ce ne sont pas les femmes et les hommes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont une autre façon de voir les choses et de faire les choses. Voilà. Je suis désolé. Est-ce que les choses ont avancé? Il y a un ami dernièrement, il avait fait presque chou blanc, côté de Noisy-le-Sec, je crois. Pourquoi? Vous savez, il y a cette tendance aussi à ne pas comprendre la demande parce qu'il y a des demandes. Par rapport aux personnes qui peuvent sortir, qui peuvent y aller. Et moi, j'ai toujours dit, quand on sait accueillir les personnes
qui viennent